Aujourd'hui dans cette vidéo, on va react à trois maisons folles incroyables, dont une, je l'espère, sera ma maison finale dans la vie. Pourquoi pas rêver après tout? On est parti, let's go! L'appartement, bon, c'est pas un appartement, c'est un duplex, évidemment, vous doutez bien, duplex sur plusieurs étages. Je crois que c'est le plus cher de tout New York et il vaut 220 millions de dollars. Un truc dans le genre, ça doit monter avec les prix de nos jours. Mais juste regardez-moi le salon! Oh la dinguerie! T'as vu sur tout New York, t'as vu sur Central Park, il est énormissime le salon. Franchement, c'est insane. Mais j'en parlerai plus tard, mais c'est pas le. J'allais dire ma maison ultime, tu vois. C'est pas dans ça que je vais vivre au final. Vous voyez, vue sur Central Park. Oh, c'est magnifique. Imaginez-vous la vie de rêve. Tu te lèves le matin, tu prends ton café devant cette vue, tu te dis, allez hop, je me motive, t'enfiles tes vêtements. Évidemment, tu y vas pas nu, hein. Et tu fais ton footing dans Central Park. En plus, Central Park, vraiment, on dirait pas comme ça, mais c'est gigantesque. Hein. Vraiment, c'est gigantesque. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. C'est le pantouze le plus haut du monde et la vue est incroyable. Et en fait, attends, pour moi, c'est bien 250 millions. C'est un quart d'un milliard de dollars. Un quart d'un milliard de dollars. Là, on est dans la salle à manger, les gars. Et matez-moi la dinguerie. Alors, bon, je vais être un peu difficile. La table, c'est pas trop mon truc. Tu vois, les sièges, ça fait un peu... En fait, l'ambiance, c'est un peu bureau, je trouve. Un peu salle de réunion. Si je pinaillais un peu sur les détails, moi, c'est pas le genre d'ambiance que je veux dans ma salle à manger. Après, encore une fois, vous me donnez, je prends. Là, il y a à nouveau le salon. Mais c'est un autre salon? C'est l'une de mes pièces préférées du pantouze. Pur salon. Ok, on va aller voir la chambre principale, les gars. Tout le monde dans le couloir. C'est une dinguerie. Deux hein. Salles de bain pour la chambre principale. Deux salles de bain? Commençons par celle-ci. Ok. Oh là 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 là. Tout est assorti. La quoi? Une énorme douche, des aménagements chromés. Douche italienne, ça. Au-dessus. Après, elle est pas si stylée que ça. Il y a le dressing dédié. Autant les toilettes, franchement, je m'y verrais bien poser mon classique, mais. La douche, pas insane. Ah là, par contre. Oh là là là, dinguerie! Imagine-toi prendre un bain là-dedans avec une vue aussi insane. Et je vous vois venir dans les commentaires. Non, moi ça ne me plairait pas parce que les gens pourront nous voir. Non, personne ne vous voit à cette distance en fait. Personne ne vous voit alors que vous êtes là, tel un roi au-dessus de tout le monde en train de vous... Je sais pas, de profiter de la vue, de profiter de la vie. Vous êtes multimillionnaire, profitez. On est si haut que personne ne voit à l'intérieur. Suivez-moi par ici. Oh la chambre. Bienvenue dans la chambre principale. Oh la chambre. Admirez tout. Oh, tu te lèves, tu vois, New York. T'es le roi de New York. Voilà, je dis les termes à un moment donné. Tu te lèves, t'es le roi de New York. On parle de Central Park. Oh, mais comment ne pas en parler? Et pendant la journée, on a une vue phénoménale. Oh là 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 là. C'est génial de pouvoir profiter de la ville depuis sa chambre. Ah bah oui. Voici la salle de bal. Incroyable. Ce n'est pas tout. De l'autre côté, il y a un couloir qui mène à des pièces. Cette porte ouvre votre ascenseur privé. Ouais. Sur trois niveaux. Votre porte, une porte qui ouvre un ascenseur, les gars, c'est bon? Deux portes. C'est bon? Chacune donne sur. Oui, parce qu'en gros, dites-vous, les appartements stylés comme ça, vous y accédez par un ascenseur. C'est simple. Et en gros, vous activez une clé dans l'ascenseur qui vous autorise à aller à votre étage. Oui, là. Pourquoi ils ont une cuisine du chef? Parce qu'ils sont blindés et ils ont des chefs qui cuisinent pour eux. Alors, par contre, j'ai du mal à décrire ce qu'on ressent. Là, on est sur le balcon, les gars. Alors, deux choses. Sur cette terrasse et en profitant de la ville. Déjà, on est très haut, donc je sais pas si c'est très agréable. On n'a jamais rien vu de tel. Et ensuite, je pensais qu'il y aurait du vent. Oui, mais t'as les vitres, mais les vitres, ça rend si moche, par contre. C'est une scène, mais vous vous rendez compte que là, je vous ai montré l'appartement le plus cher de la vidéo. Mais croyez-moi, il y a une dinguerie qui arrive à la fin. Je vous regarde pour la fin, je vous le dis. Et là, on enchaîne. C'est la deuxième maison. Et là, on est sur la maison la plus chère des États-Unis. Voilà, les gars, on est à 300 millions de dollars. C'est vraiment la maison la plus chère de tous les États-Unis. L'appartement qu'on a vu tout à l'heure, c'était 250 millions. Vous allez voir que le niveau de standing n'est pas du tout le même. Parce que je vous avais expliqué, dans la première maison, on était en plein New York, tout en haut. On avait toute la vue sur tout New York. Là, c'est un peu plus loin de tout ça.
Vous allez voir, c'est quand même hyper stylé. De toute façon, à 300 millions, ça ne peut être que stylé. Là, on va commencer par l'entrée qui, on peut se le dire, on reste un peu entre nous, il y a un pédiluve. Ça s'appelle pas pédiluve, mais c'est un pédiluve à l'entrée qui est plutôt sympa. Bon, de toute façon, tu sais très bien que quand tu rentres chez toi, si t'as des mini piscines autour de toi, c'est que t'as quand même réussi ta vie ou alors que t'as des fuites d'eau. Je souhaite que ce soit la première. Alors, hop, je vais faire un petit avis négatif, je vais faire un peu le rageux, mais je trouve que l'entrée manque un peu de personnalité. Tu vois, quand tu rentres ici, tu te dis pas « Oh là là, je suis bien à la maison », tu te dis « Wow, wouhou !» Mais tu te dis pas que c'est chez toi, tu vois. Déjà, tu mets une sculpture en plein milieu, bon, à la limite, tu mettrais une statue de moi, l'épée à la main, comme ça, devant tout le monde, je dis pas. Elle a une statue qui tourne, bon... Oh là là, le bureau! Pom pom pom! En vrai, il est pas mal. Ah, j'aime beaucoup. Il y a deux styles de bureau que j'aime bien. Normalement, vous verrez dans la deuxième vidéo, il y a un style de bureau un peu plus vintage, que j'aime beaucoup, qui fait un peu bibliothèque. Et là, ça fait très office, enfin, c'est-à-dire bureau en anglais, hein, évidemment, mais on se comprend, quoi. Ça fait très cadre, j'aime beaucoup l'idée. Scale is amazing. We have the desk set up right in the center, and the entire room is complemented with Italian lacquer finished cabinetry with LED lighting that looks really sleek. And on top of that, right above us, we actually have a balcony looking down on this room, and we're gonna check that space out later in the tour. Petit défaut, avoir le bureau près de l'entrée, je suis pas pour. Après, encore une fois, c'est du pinaillage pour l'instant. Oh là là, oh, oh, oh. Wow. Oh là 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 là. C'est beau, hein. Je préfère celui-là à l'autre qu'on a vu tout à l'heure. Mais encore une fois, j'aime pas, c'est pas chaleureux, c'est pas accueillant. Ça fait très bureau, encore une fois, voilà. C'est un peu le thème de la maison, c'est censé être un peu moderne design. Voilà, alors ça, pour moi, ce qui va arriver là, on se rapproche plus de ce que je désire. Voilà, donc là c'est la bibliothèque. Bon, je vous parle pas des magazines Playboy, hein, évidemment, n'allez pas voir ça les enfants. Mais je trouve ça vraiment stylé, voilà, ça, il parle de cigare, un petit cigare lounge, tu vois, t'es bien, t'es avec tes amis, tu discutes, oh, ça se... Là oui, là on se rapproche de ce que je souhaite. Oh là, vous allez voir, dans un moment, ça va être sublime. Oui, alors ils ont évidemment la vue sur Los Angeles à 300 millions, je l'espère. Les gars, j'avoue, oh si, il y a du poids, non, si, si, il y a du poids. Oh là là, faire tes séances de muscu là-dessus, pas mal, hein. Normalement, là, ils vont vous montrer un truc de fou furieux, les gars. Ils ont une piste de bowling. Une piste de bowling. Ils ont un simulateur de golf. Oh la dinguerie. On va voir. Et là, je crois que c'est exactement ce que je crois. Oh, 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 oh. Alors ça, par contre, je veux ça chez moi plus tard. Une salade de bonbons. Oh, c'est une dinguerie, hein. Vous allez voir pourquoi il y a ça. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Parce que c'est exactement ce que vous pensez, mesdames et messieurs. Attention. Voilà. Pour un cinéma privé, la dinguerie. Moi, je pense que tu peux avoir accès au dernier film du moment dans ce genre de cinéma. C'est-à-dire que tu payes, par exemple, l'entreprise qui a les droits sur les films. Et je pense que tu peux les ramener chez toi. Ce qui fait que, par exemple, le dernier Marvel, tu pourrais le voir chez toi tranquillement dans une salle où il n'y a personne. Tu peux manger les bonbons que tu veux, les popcorn que tu veux. Mais je veux cette vie. Je veux cette vie. Bon, le gars, il est temps de vous montrer ma future maison. Je suis désolé, voilà, je vais spoil. Je vais spoil, on va tout de suite enchaîner sur ma future maison. Moi, c'est mon objectif de vie, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes nombreux streams. L'objectif final de vie, si j'ai les moyens, je me le souhaite, c'est d'avoir un domaine. Oh là 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 là! Moi, c'est le truc, ça, c'est vraiment les trucs que je kiffe, les gars. Moi, je suis team domaine. Oh. T'as des vignes chez toi, t'as des vignes. Oh. Oh, la rénovation a coûté 80 millions d'euros. Ah ouais! Donc, il vaut 100 millions d'euros, ou alors 117 millions de dollars. Bon, bref. N'oubliez pas quelques millions d'euros près, hein, si vous voyez ce que je veux dire.
100 000 € par semaine si tu veux le louer. 400 000 par mois. Ah. Ah. On va pas le louer tout de suite, les gars. Pas de vidéo demain. C'est mon futur domaine. Pas encore. Peut-être que le domaine, la maison n'est pas assez grande, peut-être. Si, non, si je peux... si je peux pinailler. Les gars, on arrive dans le salon. Oh là là, oh là 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 là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Il y a plus de touches, il y a plus de vie, je trouve, là-dedans que dans l'appartement de tout à l'heure. Je voyais... Là, j'irais bien des tableaux de moi. Oh, la vidéo, je suis en train de... J'irais bien des tableaux de moi et de mes futurs enfants. Il va falloir en faire des abonnés, les gars. J'en profite. J'en profite, si vous voulez m'aider à m'acheter ce genre de domaine un jour ou l'autre, et vous voulez vraiment énormément m'aider pour pas grand chose, followez-moi. Le petit follow, cliquez, abonnement, tac tac, c'est gratuit. Et peut-être que grâce à cet abonnement-là, je pourrai m'acheter un jour ce domaine, et je vous inviterai. C'est quoi, enfin... Tous ceux qui like là, ils auront le droit de venir. Ils auront le droit de venir lorsque j'achèterai ce domaine pour une soirée spéciale. Voilà, je vous le dis. En vrai, ça coûte rien. Vous lâchez le follow, peut-être que dans 10 ans, vous allez venir faire... Yaké, tu m'avais promis, là, en 2023. Je me suis abonné dans ta vidéo. Alors, hop, petite soirée, petite guest house, et vous êtes mes invités. Alors, un petit abonnement, les gars. Ça coûte rien, ça peut m'aider à mâcher ce domaine. Je te viens fou, putain. Je vous jure, je préfère ce genre de truc. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bon, ce qui coûte très cher... j'allais dire, c'est pas le domaine en lui-même. Enfin, c'est les deux. Il y a le domaine, mais comme vous avez vu, c'est 80 millions quand même d'euros de rénovation, les gars. Non, là, je changerai la couleur, là. Non, non. Je mettrai quoi que le rouge, c'est vrai que ça va devenir ma couleur. Donc on va garder ce rouge-là. Très bonne idée, celui qui a fait les rénovations. Très bonne idée. Pour l'instant, ma future maison est bien. Ah, je vous jure, je préfère largement. Largement ce thème-là. Ça apparemment c'est hyper crade, hein. Mettez jamais vous main dedans. Oh là 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 là, oh oh. C'est incroyable. C'est classique, hein, mais c'est incroyable. Je vous dirais bien mes manga One Piece là, dans la bibliothèque. Évidemment, hein, il y aurait que du One Piece dans cette maison. Bon les gars, à 100 millions d'abonnés, je fais une soirée billard ici avec les abonnés, les gars. Je compte sur vous. Hein. Évidemment, vous doutez bien, petit cinéma privé. Alors encore une fois, c'est... Comme je l'ai dit, moi je trouve ça bien parce que il y a pas 1000 places en fait, comme tout à l'heure. Là, t'as un bon canap, deux petits fauteuils. C'est vrai qu'il fait un peu plus modeste, mais moi je préfère. Voilà. Je suis prêt à mettre 100 millions là-dedans, moi les gars. La salle de muscu est un peu petite. Peut-être l'agrandir. Moi, je détruirais 2-3 chambres, tu vois. Ah, j'aime bien ça aussi. Hein. Encore une fois, moi je suis très là-dedans. Ah, oh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Vous voyez, regardez. Là, on est dans une salle à manger. Ça sonne plus familial, plus convivial. Voilà, t'es tranquille, t'es avec ta famille, tu manges. Tout à l'heure, ça faisait salle de réunion. Oh, il y a une cave. J'ai vraiment dit ça comme un gros fou. Ok, classique, cave à vin. Ils ont un cours de tennis. Pardon, j'ai un cours de tennis. Je savais pas. Oh là, la piscine, je vous assure, j'en suis amoureux. C'est un coin, regardez, c'est un coin calme, reposant. Encore une fois, c'est pas froid, tu vois, t'as envie d'y aller. Bon, quand il fait chaud, t'as toujours envie d'aller dans une piscine, mais... Tu vois, imagine la nuit, tu peux allumer les petits trucs sur le coin, je pense que c'est des torches, ça doit être magnifique. Hein. C'est vrai que ça manque un peu de fleurs, tu vois, un peu de couleur, peut-être. Je ferai changer ça, vous inquiétez pas, lorsque j'aurai acheté la maison grâce à vos abonnements, les gars.